Salut YouTube. Hades 2. Ouais, d'ailleurs, j'ai pris le live tard parce que j'ai uploadé plein de vidéos d'Hades 2 sur YouTube. Entre autres, Elden Ring aussi. Et moult choses, moult démos encore. On a plein de retard sur les vidéos YouTube, mais ça, c'est à cause des démos, hein, les fameuses démos du Steam NeoFest. 19 nuits écoulées. Chronos, on l'a déjà tartiné pas mal de fois. What? Ah oui, en plus, donc ouais, il y a eu plein d'équilibrages. Hein. Là, il y a une mage d'Hades 2. Et il semblerait d'ailleurs que là, il y a des... Normalement, je sais qu'ils ont bougé certaines cartes et qu'il y a des cartes qui ont changé. Alors, la dernière fois, on a fait un run surface qui a été catastrophique. Et pourquoi l'a-t-il été ? Bah, c'est vrai que il l'a principalement été parce que... on a décidé de banquer à fond sur ces rerolls. Non, alors c'est cool d'avoir des rerolls, c'est vrai. Mais du coup, ça nous fait sacrifier plein de trucs super utiles. Même si là, on a pu réactiver le titan. Donc en vrai, c'est moins la misère. Mais faudra méditer sur tout ça. Alors c'est quoi le cristal des abysses? Je le scrute. Infinite possibilities. Vous pouvez dorénavant voir dans le cristal des abysses et ainsi entreprendre des épreuves du chaos capables d'altérer la réalité telle que vous la connaissez. Contemplez ce qui suit. Alors ça, c'est rien à voir avec la mage, c'est ça. C'est juste que bon, ben... Nous n'avons même pas fait 20 runs, donc à chaque fois il y a des nouveaux trucs. Ou c'est un truc que j'ai débloqué dans le chaudron. Les épreuves du chaos constituent un moyen alternatif et facultatif d'accomplir votre tâche. Chacune d'elles impose un équipement précis et comprend son propre lot de surprises. Votre équipement initial est restauré à votre retour. Sachez toutefois qu'il est impossible d'obtenir certaines ressources, notamment celles issues des gardiens, de cette manière. Accomplissez les épreuves du chaos afin d'obtenir de la poussière d'étoiles, laquelle peut être utilisée dans la création de puissante ressource capable de révéler le plein potentiel de vos arcanes ou d'apprivoiser des familières. Purifiez la forêt des rêves à l'aide d'une infusion éphémère de puissance accordée par le chaos primordial. Mais quand je fais ça, ça me commence un run directement au pif. I see what needs to be done. Merde. Bah visiblement. I feel unstoppable. Mais j'ai même pas choisi. J'ai quoi comme truc? Les osselets usés. Bon bah d'accord, je commence avec les osselets usés alors. Je pensais pas que ça allait lancer un run direct, mais let's go hein. Et on commence avec un boon de chaos et derrière il y a un portail de chaos. Regarde tes PV, ah merde. Je suis au sceptre. Va pour attaque. Pourquoi j'ai 1005 PV? Non, c'est trop beau pour être vrai. Il y a une couille dans le potage, si je puis me permettre. KO ou posé idon. Pourquoi j'ai 1000 PV? Volonté, je régénère 13 mana par seconde. Favorise la croissance de puissance. Champignon, le fait qu'il pleut. Ah, c'est marrant, ça. Poséidon ou KO? Mais pourquoi j'ai 1005 PV? C'est un tuto. Ah, d'accord. Bon, du coup, est-ce que j'ai envie de KO ou de faire un run normal? Parce que... Ouais, on est vraiment en difficulté ici, quoi. C'est le plaisir. On va prendre du chaos tant qu'il y a du chaos, parce qu'on a tellement de points de vie, pourquoi s'en priver après tout. Pour les prochains dégâts, vous subissez plus 32% de dégâts. Ensuite, vous restaurez 9 points de vie à chaque fois que vous quitterez une zone. Pour les 5 prochains combats, vos actions méga vous fait perdre 7 de vie. Ensuite, vous obtiendrez plus 32 de santé max. Non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les trois prochains bienfaits que vous trouverez ne seront que de qualité quelconque. Ensuite, votre ruée et vos déplacements seront 15% plus rapides. C'est la run easy, histoire de faire comprendre le type de run. Ouais, d'accord. Ok. Ok, then. Attends, c'était quoi du coup le malus, là? Merde, j'ai amnésique. J'ai pris le truc et j'ai même plus. C'est quoi le malus sur les prochaines salles? Ah oui, je prends plus de dégâts. Soit. Pure gold.
Era. Bon, on les a mis au village, quoi. Ça c'est rigolo en vrai. Il suffit de courir après des ennemis pour faire en sorte qu'après, voilà, typiquement, voilà. Ah oui, très efficace. Ah oui, merde, j'ai oublié d'aller dans le truc qui me donne des bonus qu'on aime bien au village. Mais non, je vais dans le Wi-Fi. Jesus, man. Bon, c'est pas grave, hein. On fera un autre run après, parce que là, c'est pathétique. En vrai, bon, elle est en commune, ce qui est triste, mais... Mais rien que le fait d'avoir des dégâts en plus et bah, de toute façon j'avais 70% de dégâts en plus. Mais en plus sur Canal+, le fait de pouvoir toucher plus loin, ça n'a pas de prix. J'ai du mal à le lire. En vrai, à chaque fois je me fais déchirer par ce mec là, gratos. Parce que je respecte rien. Je trouve que son animation est dure. Ouais, c'est bon, j'ai stun. Ça c'est fait. Ah oui, quand même. Ça, faut pas hésiter. Ah, ça y est, j'ai perdu le malus de chaos. Les glyphes brûlés. Mais c'est une dinguerie ça. J'ai déjà eu conscience crépitante. C'est trop bien. Vas-y pour les glyphes brûlés. Un classique. Un classique dont on ne se lasse. Pourquoi j'ai 1000 HP 650 de mana? Parce que j'essaye pour la première fois les défis du chaos là. Ah ouais, restaurer 402 de vie. On n'est pas du tout dans l'abus en tout cas. Hein. Et du coup c'est la méga toffe du slip, hein, on va pas se mentir. Du coup par contre ce qui est triste c'est qu'il n'y a rien à pécho quoi. You can sense it, can't you, my lord? The mark of... Should be useful. We cannot always reach you in those depths. Ah, c'est marrant ça, c'est le contraire de Déméter, quoi. Bah attends, mais ouais, non, mais c'est honteux parce que si jamais ça tape férocité, férocité il va prendre la max. Alors que c'est vrai que par contre. Ma frappe qui est en nulos, la faire passer en héroïque, c'est... J'ai moins de 8 rooms restantes. Ah oui, d'accord. Ah mais oui, j'ai juste à faire ce biome-là. Ah oui, non mais c'est vraiment le... C'est vraiment le truc le plus éclatax qu'on ait jamais vu. Et du coup, qu'est-ce que j'ai même pas regardé. Elle est passée héroïque, mon attaque. Plus 100% au lieu de 40%. C'est pas rien. L'attaque longue. Vos attaques infligent plus 100 points de dégâts de base. Ouais, bon, vas-y. Hein. Enchanted for the night. Un sortilège ou du mana. Ah, j'ai 650 de mana, donc bon. On va prendre le sort. Hein. For
holding circle. On tue, hein. Ridicule. I draw you down, O Moon. Lend me your light. I felt a weight drawing me toward the crossroads recently and realized it. Behold. Wolf Howl. Qui s'en fout? It is yours. I'm taking this back. Oh vas-y ouais, je prends des graines. Je suis toujours en galère de pour planter des machins. Hamanger. Bon ok. Easy game bra. En vrai ouais, je peux juste faire des assauts. Hein. En faisant des assauts, c'est garanti. Hein. Guaranteed. Il faudra que j'évite de revendre mes fleurs, oui. Ruée, en vrai, c'est fort. Hein. Parce que déjà, ma ruée... Ah, ça c'est agilité physique, c'est bien aussi. Hein, et mur cinétique, c'est très bien, vu que j'ai envie de ruer pour mettre les taliers. Allez, un petit boon. Un petit boon et puis s'en va. Tout ça ne sert à rien. Bon alors ça va être un boss différent ou ça va vraiment être la foire à la saucisse? Bah non, c'est 4 hein. That pitch black stone in our training grounds. Our goals are intertwined. When I gaze upon. Par contre, j'imagine que les derniers sont très durs. Sinon c'est vraiment ridicule hein. Parce que là, hein, franchement, j'ai même pas besoin de me concentrer hein. Plus besoin de bourrer comme ceci. Ah d'accord. On en est là donc. Ah il marche pas le choix. Ah mais y a pas moyen de bordel. Voilà, je regardais quand j'ai un foot, voilà la vérité. Enfin, je peux balancer mon spell quand je suis en mouton. Ah non. Vas-y mon moutmout, voilà, montre-lui un peu. Avec ta tête de mouton. Bon, c'était vraiment gratuit, hein, une honte. Une honte ce défi. Merci Arcadim pour les 6 siècles. Merci Uskiel, Everybody Lies, Kaweran, Aonins, Nicolas, Kilaor, merci. Chaos trial, check. There you are.
Elle, elle voudrait des selles de bain, j'ai ça. Tiens, prends un sel de bain. Say Dora. Ah mais on va encore avoir un bain cringeos. Comme avec Ulysse. Salut Fanucci. Wonder if I was ever shy about this kind of stuff. You still can sense something of the water's warmth, can't you, Dora? Peggy 18. Well, I can see all the steam rising, which I associate with warmth, so I guess it kind of tricks me into thinking warm thoughts. That doesn't sound so bad, though you do remember what warmth was like then, from your mortal days? Not really, no. I guess I've just heard so much about it. It's like... Oh. Okay. Well, that was basically like floating around in your tent, though I appreciate. Ah, plus j'ai gagné plus 12 quelque chose visiblement. Princess. Another prophecy. Chaos must have a greater plan for you. Ah, les 3 mois, c'est chiant, caprice de chaos. Ah oui, d'accord. 5 épreuves il y a en tout. How well would you say you know your grandparent, Lord Moros? I'd not expected to meet primordial chaos of all beings, but they summoned me to their domain, and I don't quite know what they want from me. Chaos summoned you? That is unusual, though not entirely without precedent. And in this case, I can't imagine why. Chaos and Mother Nyx were rather close, after all. So Chaos seeks their daughter. They did mention something about a quandary. This isn't the first time they took an interest in your family. Ah, le lore autour de Chaos. The fates themselves likely never preordained. I hope you're right. What are you looking at? Ah oui, file des détritus, ça sert pour des crafts. I don't get you people, honestly. So set on making things the way they used to be. You especially. On t'a first try. Come on là. We're trying to set things right, not make them how they used to be. What's my point? What's your point? All of you are so obsessed with there being a point to everything. You do know there isn't one, don't you? Can't just let loose and have a good time? Not under the present circumstances, no. More of this filth. Hail to you, Witch of the Crossroads. Time thinks it can't be stopped. I think otherwise. Ah, il me faut 5 bronzes, ah, je les ai claqués pour autre chose. Est-ce que ça pourrait être sympa de commencer à avoir des aspects des armes différentes. On commence à faire le tour. Hein. Circle of the Moon. I know. Ah oui, c'est vrai ça, je me souviens de cet upgrade. Obtenez un niveau aléatoire. Sur un boon chaque fois que vous trouvez du nectar. Activer un cercle de protection rend immédiatement votre sort prêt à l'emploi s'il ne l'est pas déjà. Les cercles de protection, c'est les petits cercles marqués de lune au sol. Bon, écoute. Shades of the dead, reagents in the pot. Heed now my plea. Merci Valkyria TV pour le raid, merci beaucoup. On prend. So mote it be. Alors c'est qui là? Quoi, y'a encore un nouveau truc? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Persuader l'historienne d'apparaître à la croisée des chemins. Retrouver auprès d'elle des bilans détaillés de chacun de vos périples. Mais quel intérêt? C'est juste pour avoir des stats à mi-chemin pendant le run? Ensuite, ça demande des ressources que j'ai, hein. C'est des stats de partie comme dans le 1. Oui, mais il n'y avait pas ça à la croisée des chemins, si. Ah, la croisée des chemins, c'est ici. Oui, pour moi, c'était les trucs entre parties. Oui, ils vont juste être là, quoi. Oui, bon, on va habiller le hub. Voilà, super la team.
Bon allez hop, tant pis, j'y vais. Et là je me rends compte que j'ai besoin de coquelicots pour un truc surcraqué, j'en aurais plus parce que j'ai fait cette merde hein, qui n'intéresse personne. Record keeper, pleased to have you here. Odds on assignment, huh? Okay. Ready to come out? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, les graines étranges du pif. Oh là là, Nidmor Belladone, Nidge. Ta hypnose, toujours pas réveillée, quoi. Ça dégoûte. Salutations. It gladdens me to see you, Hecate. Ah, c'est l'aîné, mais il n'y a pas encore le... L'artwork. Enfin, il y a l'artwork, mais il n'y a pas le personnage. C'est devenu un jeu de gestion, tu plantes des panais. C'est vrai qu'il y a des panais dans Hades 2 aussi, quoi. Dans quel jeu ne va-t-on pas planter des panais, au final hein? On peut se poser la question, hein. The Titans' forces are somewhat in disarray. Thus, no, I do not think they are sufficiently prepared for one of us. But I shall watch and make certain of it. For now, I must be off. Together we shine. Farewell. Together we shine. Together we shall planter des panais. Nemesis on break, I guess. Salut les nuls, salut les nazes, comme disait Johnny dans Le Miel et les Abeilles. Toujours des rêves très actuels ici. Just checking up on you. Cauchemar 1000 balles, eh ben. Ah, on peut acheter de l'ambroisie maintenant. Ah, mais voilà le tarot quoi. Should be of use. Some salt. Non, alors ça c'est pour vendre, hein. Plus jamais je me ferai avoir, vous m'entendez, plus jamais. Bon, la grande question, c'est... Combien ça coûte la toile? Ah, mais je peux. Hop. Votre élan s'exécute plus rapidement et plus rapide. Lorsque vous canalisez vos actions méga, le temps ralentit autour de vous. Ben, en vrai. Et pourquoi je l'ai plus activé, celui-là? Mais j'ai activé 5 cartes. I can't. Et pourquoi I can't? Activer 5 cartes d'une rangée autre que celle où figure cette carte. Mais comment ça? Bah c'est pas bon là. C'est plus une colonne maintenant, ça a changé c'est ça? Avant c'était une... Ils ont inversé? Parce que là on est bien d'accord que colonne 2, j'ai tout. Ah rangée pas colonne, bah avant, ah, d'accord. Mais ça, ils l'ont changé parce que littéralement avant c'était bon. Parce que la dernière fois c'était colonne et c'est pour ça qu'on avait fait ça. Ça a toujours été ligne. Mais alors mais pourquoi elle était activée la dernière fois? J'ai pété une durite. Il était pas actif et je suis sous crack? Et ben voilà autre chose. Ok. Où est-ce qu'on veut vraiment ces rerolls? Peut-être pas, hein. Ou enlever celui qui est très cher. Et c'est que là, je peux altérer les boons une fois, et là, je peux altérer les salles. La rangée 2 est cool aussi. Qu'il y a les occultes. Ah, les occultés coûtent si cher. La ligne 1, elle est gratos en vrai. Ah, mais ça m'enlève ça du coup. Attends, mais là, il est activé. On est bien d'accord. Ah, bah, vous. Il s'est réactivé tout seul. Eh ben, nickel. Donc j'avais raison.
J'avais raison, ça marchait avec la colonne. Combien j'ai de poussière d'étoiles? 6. Ah, j'ai gardé. Bon, avec quoi commence-t-on? Putain, du coup, le vrai run va commencer au bout de 30 minutes. Pierre concave pour essayer d'arnaquer un truc. Bon, on essaye encore de dropper des cauchemars. On n'a toujours pas eu ce run torche bien. Hein. Le run torche officiel.com, toujours à chier. Hein. Merci Katsudan pour les 10 subs offerts. Eternal glory can be yours if you but prove your worth. The patterns on that drapery, the secret gifts of the veil bestowed on Knight's most dedicated servants. Commander, what are they doing here? Shades are never to look upon them. Well, let's just say the rules have lately changed. Those gifts, as you refer to them, bon, are yours très to bien. Earn. Les pactes des occultés, donc. You can do the stuff the Oath of the Unseen would ask of you. Which, as you probably surmised, shall be no simple feat. Perhaps a test me. Ah, c'est marrant, ça fait. On n'a pas d'alerte pour les sub-gifts, faudrait que je demande. Ça fait juste les subs en boucle. Come on, don't be such a baby. Alors, le pacte, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis pas sûr de vouloir aller à la surface. Ah! Deviens la championne de la nuit, c'est nouveau ça? Ça veut dire quoi? Il faut que je fasse les enfers avec 8 de casse-couillerie? C'est quoi le dernier boss là? Parce que tout ce qu'on voit là, c'est Eris et le Cyclope. J'espère que c'est pas le truc affreux de la méduse, enfin le monstre marin qui m'a cassé la gueule la dernière fois. Ah, le bronze est à la surface, c'est vrai. Mais c'est quoi le 4 qu'il y a avec le crâne là? By my birthright. Ah non, pas l'oignon, non. Est-ce que je peux me mettre 8 sans que ça soit un cauchemar? 20% de rapidité quand même. By will of night. Je suis à 5 seulement là. Putain. Ah, j'ai pas récupéré la régène de mana, donc pas sûr. Horrible. Horrible. Eh bien, la championne, c'est pour la statue. Moi, je veux bien jouer les crânes parce que c'était pas mal. Ah, mais c'est E4. C'est juste E4. Ok. Moi, est-ce que je tente la run en 8? En vrai, on a battu Chronos à chaque fois récemment, quoi. On lui a cassé la gueule à l'infini. Donc on peut tenter une dinguerie. For the realm. Là, je suis à 8, c'est ça. 40% plus élevé, ça fait mal au cul, hein, quand même, hein, mais bon. Les soins. Je suis à 8, là. Alors oui, le problème c'est qu'il fallait les ramasser. Mon run crâne, il avait été complètement fou parce que j'avais eu le dédale qui faisait que j'avais pas les ramasser. Et j'en perdais un, mais je pouvais les spammer. Et ça, c'était pas mal quand même. Bon, et ben essayons. Chaleur 8. This is my path. Changer mon trinket. Oui, j'ai mis un. Ah oui, putain, par contre, speedrun. No holding back. Speedrun, bordel. C'est la première fois qu'on tente ça aussi.
Non, non, mais le trinket, c'est bon. C'était la possibilité d'avoir un deuxième trinket gratos. Ah, j'ai mes rolls. Ouais, elle fait chier parce qu'ils sont en qualité naze, mais bon. Oh, c'est nouveau, ça. Tout mon mana, toutes les 10 secondes, il y a une source qui apparaît. C'est une dinguerie, ce truc-là, non? En prenant les glyphes, un classique. Oh, et je l'ai gagné! J'ai eu les deux, c'est ça? Oh, le banger! Eh ben, vous voyez? Déjà rentabilisé. Ah bah génial. Et c'est quoi cette merde? C'est ça la source éthérée? Restaurer tout mon mana. Ah oui, ok. Par contre, j'ai déjà perdu de la life, quoi. Je suis censé aller vite. Dommage. Bah génial. Oh, je suis tellement plus habitué à jouer cette merde. C'est quoi cette merde? Some nightshade seeds. Je me rends pas compte à quel point le temps ça va être un problème ou pas. Oh, les récompenses du UK. Est-ce qu'on se foutrait pas de ma gueule par hasard? Mais ça s'arrête pas, cette merde. 6 minutes 28. Tonton. Oh oui. Je sais pas si ça peut se réactiver le truc que j'ai fait là. Oh! Oh, ruée, c'est un banger de fou, non? La ruée de Posidon, c'est vraiment fort. Même si la technique, ça les dégagerait, mais. Vas-y. Excellent. Aphrodite boss? Vas-y. Stalker.
pensais que ça allait ralentir, mais pas vraiment. Ah putain, je voulais profiter du fait d'avoir Poséidon en me disant que j'allais... Oh putain, j'ai pris tellement cher en me disant que j'allais... J'allais la Hound. Et moins 20 points de vie. Bravo le veau. Ah, en plus, j'ai la ruée de Poséidon mais, et les trucs de Zeus qui m'en donnent mon mana, donc c'est une dinguerie. Oh, les cœurs, c'est fort à avoir au début. Au positif, c'est bien, mais l'attaque... faut juste un truc quoi, mais ça reste 100%, quoi. Sinon, j'ai un rôle, mais... Je vais prendre l'attaque. Ah, j'ai... Je sais pas si mon truc peut proc une fois de plus. Je sais pas pourquoi je fais ça, alors je sais très bien que c'est de la merde. Ou... Combien de temps? 4,23, allez là. Très chiant. What's happening? Thank you, Father. 352. Why, hello there. Another moly. So then the gods above are helping you, aren't they? Though why do I? It's true. Olympus and I share a common goal. For the. So the fates got. Restaurer 2 quand on quitte une zone. 100% de dégâts avec vos glyphes. Insane, mais bon, 10 d'armure, au secours. Rob Virid, c'est bien. Now you enjoy, all right? Oh là là, encore des récompenses toutes gaises. Oh, le jeu se fout de ma gueule là. Weavon. Bon, admettez. Weavon. Aphrodite, grenade. On sait jamais, mon truc peut riproc. Il a rien à faire là, lui. Des problèmes. Oh, oui, 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 bravo, bravo. Ça ne sert à rien, ce glyphe. Ah si, il y a lui. De 16 ans. Un peu chaud quand même en vrai. Hein. Ouais, l'infusion cœur léger, pas mal en vrai. Ça ferait 6% d'esquive déjà.
Propos sulfureux, on nous l'avait proposé tout à l'heure en qualité meilleure. Mais bon, mes dégâts de base sur les crânes sont tellement forts que c'est pas si fou, 5 de dégâts de base. Et les techniques, c'est pas mal aussi vu que les ennemis sont forcément proches, mais... Cœur léger peut être pas lifesaver. Comment ça améliorer cœur léger? Prochain bienfait sera de qualité supérieure. De la life, les glyphes. Attends, mais 2-12? Mais je suis dans la merde, non? Mais je suis grave dans la merde. Merci à tous. Faut que je la récupère. Ah oui, c'est ça ce qu'ils appellent les esprits vengeurs, mais faut que j'aille dessus ou je... Peter, je fais de la merde. On les voit là, ces petites merdes là, c'est quoi? Faut les prendre ou faut pas les prendre? Sinon ça respawn, c'est ça? Mais attends, mais je suis... Non, mais là vraiment je suis en train de flipper là. Parce que là, 1.39, c'est finito en fait. C'est la fin du rêve. J'hésite à prendre le 2 en vrai qui est pas négatif. Bon, shop évidemment, faut que ça trace. Le temps est arrêté là, ouais. Non, non, elle va me casser les couilles, hop. Oh, elle a pris le sort, c'est pas très grave. Ah bah non. Un charbon ardent, toujours un énorme banger. Do you think Arachne's going to be all right in all of this, my lord? The sir. Attends, mais j'ai de l'armure encore? She's twice. Deux. Superbe. À 1 minute 15. Mais bon, avec tout l'happening mouton et compagnie. I vanquished Kronos. Everything you've trained me to do. It's now and always. Merde, 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 c'est laquelle? C'est là. Une boule de feu maintenant, enfin se concentrer, hein. Hop, petite fleur. Dommage pour l'armure. 40 secondes. Bientôt la fin du rêve. Et en plus, il y a le truc des doubles touches. Mais c'est finito. Et je vais perdre combien de vie à chaque fois que je vais me faire casser le huc? Tout de suite la suite. Ah, oh, j'ai plus mes trucs. Ok. Cinq. Moi j'ai perdu la run en fait. Ok. Bon, en même temps c'était chaleur 8 hein. Oh c'est con hein, il y avait du potentiel mais... Ah oui, je regagne que 46, merci à tous. FF. Non mais j'ai juste à courir, je suis con. Ouais, en plus j'ai aucune mécanique de heal.
Ok. The moon was witness to our clash this night. Bon, en même temps, on a tenté le 8. Hein. C'était con parce que j'avais juste à battre E4. Et je validais. Get out of my head. Dora must be hiding for a bit. Hail, Lord Moros. How have you been acclimating so far? Bon, je vais retenter une 8 quand même, je pense. Hein. You're welcome here and safe. You fought well. Back in one piece. Mandrake root. So Doom has come to stay with us a bit. My last and only other brush with him. All children of Nyx, so well. No objections here. I can deepen my connection with the. Ah, du coup, ça bouge pas les. Tant que j'ai pas validé une run, ça reste les mêmes merdes. Putain, j'ai mal. Ah. Ah, j'ai tellement mal. Ça, le fait d'être assis trop longtemps. Faut que je fasse mes exercices. Commander. Pierre Concave, en vrai, c'est drôle, hein. Ça, c'est toujours à prendre en deux. Charpe en soi est fort aussi pour build de l'armure avant Arachné. En vrai, le pire truc, je pense, c'est le fait qu'ils aient un point d'armure, quoi. Mieux vaut se mettre le debuff en thune, je pense. Vraiment, le point d'armure... Hein. L'âme vengeresse aussi, c'est méga chiant, tu me diras. Bon, tout est chiant, quoi. Farewell, Commander. Allez. C'était la première fois qu'on jouait sous contrainte, donc c'est pas grave. T'as encore Zeus ? C'est pas le top du top, Zeus, non ? Conscience éclairée, c'était pas mal. Mais c'était bien, parce que tout à l'heure, je l'ai eu gratuitement, quoi. Shocking every time. Ah oui, merde. Oh, bien. Les mêmes récompenses de merde. Il faut se mettre en esprit speedrun là. Ouais, donc c'est quoi là? C'est l'esprit vengeur qui a fait respawn cette connerie, c'est ça? Ah non, mais c'est casse-couille ça. C'était. Oh putain, et j'ai un monstre du deuxième biome. Je me régale. Ah oui, puis j'ai plus de mana. Puis tout à l'heure j'avais les mécaniques de récupérer mon mana, là j'ai plus rien. Banger. Aïe. Ok. Faut aller vite, faut aller vite. Oh. Bah oui, hein. Bah oui. Fired up. Ah, j'aurais peut-être pu roll le mana. Bon, c'est fine le mana. Ah ouais, d'accord. Le tirage de zinzin. Bon, le glyphe fait très plaisir. Got you.
bon, maintenant plus de pitié, plus de tendresse. Hold on, sister. Ah, c'est copine. Oh bah banger. The hunter's mark again. On est ravis. Artemis. On va bien choper les âmes vengeresses, sinon c'est chiant. Ah, le timer était en pause sur toute cette phase. Ah oui, c'est comme quand on affrontait l'autre con là. We'd be saved a lot of trouble if Eris. I gladly volunteer. It's just that father has everything well under control. Says I. En tiers de couverture, c'est un énorme banger. Le problème, c'est que moi, j'ai pas. C'est pas une arme qui a un tier rate. Enfin, un fire rate de zinzin. 30% de chance de critique, c'est quand même pas mal. Et 20 secondes d'intervalle. Piège mortel. Ensuite, on a déjà eu un bienfait de Zeus, donc il peut y avoir le banger des étincelles qui du coup combotte avec ça. Quand elles infligent des dégâts, donc là oui, bien des crânes encore. Et puis tous les dégâts de... Ah non, c'est attaque et technique. Okay. Parce que les glyphes aussi font de la brûlure, mais ouais, non, ça compte pas. Ah oui, donc ça compterait pas avec Zeus non plus. Arène mort, ça peut être très fort contre un boss, hein, le fait de lui mettre du critique à l'infini. Bon allez, vas-y, prenons un tiers de couverture, une valeur sûre. J'ai pris le malus de l'argent, hein, c'est ça. Et pour la prophétie, je vais prendre ça. Ça fait mal. Je vais prendre le boss aussi. Oh non. Pas lui. Ok. Reste frais, il est en boucle. Ok, nickel. En vrai, c'est mieux géré que d'habitude. Attention aux âmes vengeresses. Bon, j'ai laissé un truc là-bas, mais c'est pas très grave, normalement c'est la fin. Supernova. Bon, là on est assez fou le glyphe, hein. Rupture. Ah. Supernova, ça m'a l'air si fort à chaque fois, le fait de pouvoir englober plus de gens dedans. Ensuite, ça reste du DPS. Oh, c'est nul. Ouais, il est énorme. Ce qui serait bien, c'est que. Ouais. Le problème, c'est que, ouais. Que mon glyphe dure plus longtemps. Alors, le glyphe qui durait 55 ans, c'était surtout avec. Hera. Bon, ça va être bien, ça. Bon, mon armure, elle se fait dépecer, mais bon.
Phrynos, hypnotize. KO avant le boss. Est-ce que c'est bien raisonnable? Ouais, en vrai, je suis bien content. Je suis bien content d'avoir enlevé la possibilité, d'avoir enlevé l'armure. L'armure sur les ennemis, c'était vraiment trop galère. Alors certes, il y a encore les armes vengeresses à surveiller, mais ça reste globalement bien mieux. Les hommes vengeresses, les hommes vengeresses. Ok. Non. Cinq obus. Obus, ça a l'air quand même turbo débilos. Si je puis me permettre. Salut Nitrosta. Bon, je vais reprendre le pognon en espérant que j'ai pas fait une énorme connerie et que ça va pas encore. Mais ça va me foutre, ça va totalement me foutre dans la merde contre le boss. J'ai encore fait de la gridance de merde là. 1, 2, 3, 4, 5. Les âmes vengeresses, bordel de merde. Ah oui, bien, 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 j'ai tout pris dans le huc.com. Bon, je vais gagner 3, je vais gagner 3 copecs. Mérited, hein. À 3,43, je me suis bien foutu dans la merde, bravo le veau. Ah, ça y est, j'ai eu tous les trucs des shops de Caron. Visiblement. Oh oui, c'est un epic fail. Attention. Oh oui, bravo. Et l'armure est brisée, bravo le veau. Mais je suis dans une merde de zinzin encore. Je vais encore pas tuer le boss et mourir dessus. Je n'apprendrai donc jamais. Et ça, c'est à cause du coffre. Hein. C'est à cause du minigame du coffre. Hein. Abruti con. Normalement, ça aurait été Hermès, mais... La vérité, c'est que on veut évidemment avancer. Sans perdre de temps. Antoine Daniel! Merci Antoine pour le raid, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Petit stream nocturne. Hades 2. Je suis revenu au studio parce que femme et enfants se sont couchés tôt. Cet après-midi, on avait fait du Elden Ring DLC enfin, c'était très drôle. Et aussi, on a maté en OP le. L'animé Dead Cells qui est vraiment très très drôle, fait par le studio qui avait réalisé les Cassos, entre autres. Même type d'humour un peu. Et on a joué au DLC Castlevania de Dead Cells. Et là on suit une run d'Hades, c'est notre premier run d'Hades en température entre guillemets 8. Et là je vais encore mourir sur E4 parce que je vais avoir un problème de temps. On se met un peu de la difficulté parce que j'ai cassé la gueule à Chronos plein de fois. On a First Trieris à la surface. Bon bref. On est chaud, quoi. Revêtez des habits donnant 30 d'armure. Canaliser le mana 40% plus rapidement. Non, je pense que je vais encore prendre ça. Hein.
pour la suite, mais le problème c'est est-ce que je vais réussir à battre Shop ou Mana ? Ah, Shop du coup. J'ai 3 minutes pour battre le boss, c'est moins catastrophique que tout à l'heure. Double truc, minerai. Ah oui, c'est vrai que le Shop est plus cher, bon c'est pas grave. Le boon au hasard à 175, on va le prendre. Watching the dead of Erebus swallow here with no place to go. He'll send. Until then. What now? Oh, je l'aime pas trop, Hephaistos. Quoique, j'ai rien sur mon attaque encore. C'est quand même dramatique. Ah, fidèle bouclier, c'est pas mal en vrai. De mon mana en vie, c'est pas mal de points de vie en plus en vrai. Conscience tenace, c'est bien vu que j'ai pas encore de mécanique de régène de mana. Bon, au moins ça m'a donné des trucs défensifs, ce qui est ok, tout en qualité quelconque du cul. Ensuite, paradoxalement, même si mon attaque Oméga est géniale, j'ai pas trop le temps de l'utiliser. Maintenant que j'ai 5 crânes, j'ai envie de les spammer comme un dégénéré. Supernova, ok, c'est le truc que des glyphes a grandi. Allez, 3 minutes pour faire 4. I sensed your presence. Your aura is different, stronger. You have been studying the Arcane. Each card. Bouclier pour garder la robe, c'est l'idée, ouais. If I steady myself and concentrate, then it's as though I become one with whomever they depict. If only I could. Tendu, hein, surtout à cause de tout le temps que je perds en mouton là. Focus by its nature is to choose. Va falloir la blaster. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 5 obus. Maintenant, tu fais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, dash, go, récupère, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, dash à travers, glyph, 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est bon, pas mal, hop, petite fleur, aïe, mais non, mais je prenais la fleur pour déconner, quoi, attends, rien qu'avec le dash de Zeus, en vrai, on se débarrasse des sbires, go, merde, c'est ça. C'est toi. Et pas de pitié, pas de tendresse. Oh, j'ai rushé dedans comme un dégénéré. C'est pas très grave. C'est pas très grave que je perde de la vie, enfin de l'armure, ça serait quand même dommage parce que j'ai le truc. Non mais y a moyen de l'éviter ça. Enfin, je dis, ouais, c'est pas grave perdre de la vie, mais en même temps, j'ai pas envie de perdre mon armure, vu que j'ai mon boon aussi d'Arachné, là, qui me permettrait après de régène. 1 minute 53. La bonne nouvelle, c'est qu'on est large, je pense. Si un jour, voilà, si un jour, ça va de me casser les couilles. Mana, j'ai plus de mana. Ah oui, du coup, j'ai plus mes étincelles sur le dash de Zeus, là. Je suis en train de disperser mes crânes partout. J'ai eu de la chance aussi, j'ai pas eu de respawn d'âme vengeresse sur ces idiots. Combien d'armure? 20. J'ai envie de crever. Moi, je vais là sûrement terminer sans. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dash, glyph. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dash, glyph. C'est où? C'est toi? Non. Ni peut-être. C'est là-bas. Nickel. Et j'ai encore l'armure. C'est ok. Although we've an eternity to hone our craft. Ah, je peux me planquer derrière le familier crapaud et c'est lui qui peut prendre la métamorphose mouton. Ça sera un banger. Ok, prophétie réalisée. Et on a encore 20 d'armure. On va en récupérer 10 grâce à Hephaistos. La question c'est est-ce que je switch tout de suite sur la... Il est là l'autre con.
Sur le trait, la babiole qui me permet de d'augmenter des bienfaits là quelconques, c'est ça? Ah, ça pourrait augmenter tir de couverture, tu me diras. Parce qu'évidemment, c'est le bon moment pour le faire parce qu'il y a la fontaine tout de suite. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Merci Angle Droit pour le raid, bienvenue. Nous sommes sur Hades 2. Et on joue avec une difficulté dure. On joue en chaleur 8. Pour essayer de débloquer un truc. L'eau des fontaines restaure plus 15% de vie. La prochaine fontaine transformera un bienfait quelconque aléatoire en bienfait épique. Ah mais peu importe en fait. Parce que c'est qu'une fois. Donc oui. Pierre concave est cool, il va level up dans deux rooms. Le fait d'avoir des bienfaits bonus gratos comme ça, c'est assez banger. Embryon transcendant, c'est bien parce que c'est un bienfait de chaos et sans les malus qui vont avec. Des choses qu'on adore, quoi. Merci, Angle. Bienvenue, les viewers de Angle. Le pognon bof. Bon, vas-y, vas-y pour Pierre concave, why not. Tu peux avoir plusieurs fontaines sur un étage. Alors oui, et puis d'autant plus qu'il y a la fontaine quand j'arriverai au prochain biome où je peux checker la fontaine avant de prendre le trinket. Mais ce qui est bien dit, c'est que la prochaine fontaine transformera un bienfait quelconque aléatoire en bienfait épique. Pour moi, ce n'est qu'une fois. C'est ça, non? Ou ça le répétait? Parce que dans mes souvenirs, oui, on le prenait maintenant et on se disait qu'on pouvait répéter le truc après. Mais je suis pas sûr. Oui, c'est qu'une fois, hein. Ouais, bon. Allez, Pierre concave, let's go. Fontaine, oui, je suis pas full life. Ah, faut que je parle à Astidio. My dear son Zeus is already abetting you this night. I fear not his famous thunderbolt. Young fool. Bon, 1 minute 3 auxquelles vont se rajouter 9 minutes, c'est ça? Faut quand même tracer, hein. Ah, la pelote d'arcane, toujours sympa. Prochaine salle de dégâts, vous subissez et convertis en soins. Ouais. C'est rush quand même. Trust the moule. Allez, c'est parti. 10 minutes 3. Oui! Et c'est encore de la merde comme d'hab, let's go. Il me faudrait une mécanique de régène de mana, c'est le gros problème que j'ai là. Ah oui merde putain, les âmes vengeresses. Ah oui alors dans un des trucs que j'ai comme malus, c'est qu'il y a des âmes vengeresses. Dès que ça se transforme en petit crâne. Malice, putain connard. Dès que ça se transforme en petit crâne de merde, faut absolument que j'aille les chercher, sinon ils ripop. Les ennemis, on adore. Hop. Oh casse-couille. Oh oui, non. Non, non, très très mauvais. Oui, il y en a partout. Ok, c'est catastrophique. Voilà, oh là là, il y en a partout, ma gueule, c'est trop chiant. Ici aussi, c'est bon. Voilà, c'est bon. Grenade fric. Il me faut un truc sur la tech aussi. Hein. Moi je suis en train de disperser mes trucs, c'est très très mauvais. Elle est où mon armure 26? Je vais essayer de la conserver un max, hein, bien sûr. Ok, nickel, c'est propre. Hop. Ici. Merde, putain, mais. Ok, j'ai tellement spammé que j'ai ouvert une porte, une gate. Bon, de toute façon, en vrai, le shop, c'est un peu trop tôt. Quoique j'ai 425 balles, même avec les hausses de tarifs, c'est ok. Oh, bon, on va prendre Narcisse, je pense. Ouais, go Narcisse. Un frère. Et puis ça me fait une salle gratuite où le temps ne passe pas. T'as toujours pas d'artwork, bro? Look, I can tell you're having trouble moving on. Maybe you ought to spend a little time down in the fields. Clear your head, put the pieces of your heart back together and all that. If you mean the morning fields, I don't think that's a healing place.
The shades there wallow in self-pity and speechless despair. Repeats whatever you say to her. I knew a nymph like that one time. Nice girl. Allez, file-moi de belles choses, Narcisse. So you do know Echo, the mountain. Echo. She's languishing in the fields even now, apparently because of you. I can hardly get through to her. Oh, that's too bad. Well, tell her Narcissus really wants what's best for her. Unless that's me. Don't tell her that part, though. Hâte de voir son artwork, Narcisse. Il est insup. 6 d'argent, 100 balles, 25 de santé max, 50 ossements, 50 de soins. Oh, ça risque d'être 3, hein, je pense. Santé max, on n'est pas si dingue. De l'argent, j'en ai énormément en stock, je crois. Et puis 100 balles, c'est pas si ouf. Les ossements, ça sert pour tout. Allez. I can use this for trade. Apollon. Oh mais attends, oui, mais elle vient pas du tout de ce biome là. Oh putain, oui, parce que j'ai aussi un malus qui fait que j'ai des ennemis qui viennent d'autres biomes, d'un biome supérieur, et c'est le cas ici. On adore. C'est bon ou pas? Ok, mais... oh, reste pas dedans, merci. Faudrait mourir, monsieur. Nickel. Quoi? Pourquoi il a respawn? On me dit pas que j'ai pas vu que... j'ai pas vu le truc. Me dit pas qu'il... oh putain! Mais non, mais reste pas dedans, du con! Ah, oh, abruti! Oh non, il y a encore de la méduse! Oh, je me fais turbo scam, la salle va durer 2 minutes. Combien d'armure? 14, ça va. Il est où le con? Ah, j'ai plus de mana, putain, il me faut une mécanique de régène de mana, je peux plus faire mes attaques oméga. Les attaques amélioreraient. Hop, on prend ça et c'est bon. Oh! Bon, c'est technique, hein. Est-ce que j'en gagne un bonus? Oh oui! Nickel! Ça a marché. Mon trinket a fonctionné. Vimax, Apollon Boss, sort. Oh putain, j'avais oublié. Oh le Delban. Ah bah oui! Ah bah génial, j'étais dans le range de cette merde, vraiment. Oh putain, il y a un portail de chaos, je sais pas si c'est la merde. Je vois rien. Ok. Mais oui, mais reste dedans. Oh non, mon armure brisée, c'est la fin. C'est la fin du rêve parce que j'ai joué comme un dégénéré. Alors que j'avais tout le temps du monde pour lui mettre ce qu'il mérite. Abruti con. Aïe, 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 mamacita. Oh bah oui, très très bien joué. Je vois rien. Ok, c'est bon. Il est en stun. Stunlock. Putain! Ah mais oui, c'est vrai que j'avais rien sur mes attaques encore. Oh putain, mais quel frère, il me file les deux en épique. Oh le frère. Oh le Chaos Gate, je suis pas sûr. Hein. 6,45, ça va niveau temps. Ouais mais en même temps... Enfin même si c'est complètement nul ce qu'il me propose, la double psyché ou ossement, de toute façon je prends chaos, ça va être la même, hein. Derrière j'aurais pas une réponse compensable, mais je pense que... Oh, allez, go chaos. Combien je perds de vie? 18, allez hop. Non mais si je reroll des trucs nuls, c'est forcément des trucs nuls, c'est ça le problème. Ça aurait été des récompenses de piètre qualité. The course and outcome of all lives are preordained. Thus the sense of choice is merely an illusion. Do you believe this Swan of Hades? Respond. I think the fates determine much about our lives. When and where we are born, for instance, and to whom. But I don't think they set every detail. And I know they're not weaving it all right now, because... I see. For the most part, I can feel your assessment. I am the reason Protoss has them now. Oh no. Almighty Chaos, you were deceived.
Cronos wished to find the fates for his own gain. Cronos, salaud! Mort à Cronos! They are not so powerful as they appeared. Nevertheless, I think you are correct. Cronos indicated his intentions were benign. I am unfamiliar with deceit, and was misled. I remain quite displeased about this still. Pour les 5 prochains combats, vos glyphes vous font perdre 4 de santé. Ensuite, vos techniques infligeront plus 66% de dégâts. Ah mais c'est con parce que mon build, enfin le premier marteau de dédale que j'ai pris, c'est pour spammer des crânes. Il y avait hein, possibilité de jouer technique, mais vite ça reste très très fort, mais... Moins 21... Oh, pff, la régène de mana. Ah, c'est dommage qu'elle soit en qualité médiocre. Mais la régène de mana, c'est cool, hein. C'est très 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 cool. 66 c'est énorme, mais le problème c'est que combattre sans glyphe c'est vraiment casse-couille. Hein. Je peux les reroll, c'est mon unique reroll sur des boons que j'ai. Hein. Mes mana c'est 21 de santé, c'est acceptable même si j'ai perdu mon armure. 5 combats c'est très long, alors oui. Je vais prendre volonté atrophiée. Un nectar en vrai? Ouais, un nectar. Alors j'ai pas le droit. Ah oui, c'est jugé de la vie en moi. Ah mais oui, mais j'ai récupéré mon armure. C'est juste, j'ai perdu le boon de Arachné. Mais c'est vrai que j'ai mon truc d'Héphaïstos qui fait que quand je rentre dans une salle, j'ai 10 d'armure. C'est un banger en vrai. Enfin, sauf si, voilà. Ah, le roi des cons, voilà! Merci à tous. Mais j'ai pas regardé s'il y avait des putains d'âmes vengeresses. Il y a trop de trucs à surveiller, je vous le jure. C'est cauchemardesque. Oh non, mais pourquoi ils mettent encore une méduse? Putain, c'est insupportable, voilà la vérité. Ok. Ok. Ok, let's go. Hop, nickel. Il y a une âme vengeresse là. Hop, hop, c'est fait. Ouais, je suis pas sûr. Oh putain, ça va être difficile de faire des combats rapides dans ces conditions. Hein. C'est morte ou pas? 1, 2, 3, 4, attention à ça. Mais oui, il y a encore eux? Il y a une âme vengeresse. Oh, il y a trop de trucs à fliquer, c'est cauchemardesque. C'est bon. Tout ça pour un nectar nul. Shop, Apollon. Apollon, il nous a mis très yimbe. Ensuite, l'avantage du shop, c'est que... Attends, mais on est dernière salle ou pas, là? Je le vois. J'ai pas une vision sur quelle salle on est. C'est l'avant-dernière salle, là, non? Non, pas encore. Pas déjà. Du coup, c'est-à-dire que même si je prends Apollon, il n'y a pas de combat. Qu'est-ce qu'on veut? Le boon gratuit ou le magasin pour en avoir peut-être plusieurs? Quoi qu'il y aura peut-être Némésis pour nous casser les burnes, mais... Je sais pas s'il peut proc plusieurs fois mon truc, mon trinket. J'ai l'impression que oui. 511, est-ce que je veux dépenser mon argent maintenant? En sachant que les prix sont 40% plus chers, hein. Ça c'est terrible. Vas-y, je vais prendre le gratos. Puis Apollon, il nous a mis bien un frère. Votre attaque a une chance de frapper deux fois au lieu d'une seule. Alors oui, ce n'est que 10%, mais... Mon attaque elle a plus 100%, j'ai 5 crânes. Donc je pense que c'est un grand oui. Hein. Allez c'est parti pour la Zikmu. Ah putain mais le temps passe! 5 minutes 10. Normalement on est plus que large. Now see here, I had no intention to offend last time and never said you were a clam. J'ai pas encore ma régène de mana, donc je pense que je vais pas faire du glyph oméga là. Faudrait de temps en temps que je balance de l'attaque oméga par contre. C'est pas trop notre gameplay. En vrai, ce qui serait fou, c'est d'avoir en deuxième marteau de dédale le truc qui m'enlève un crâne mais qui fait que j'ai jamais à les ramasser.
1, 2, 3, 4, 5. On fonce. Ok, hop. Un banger. Ah, là par contre, oui, c'est dommage. Et bah, c'est l'armure qui part, pas, rien de très grave. Ok, ça c'est fait. Oh merde, putain, j'ai pas vu. Bah, le problème, c'est tellement de Delbor que je vois pas forcément un Michelin chargé, quoi. Oh oui, oh 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 oh. L'idée était bonne, mais c'était exécuté de manière lamentable. Elle va me foncer dessus, c'est bon. Bon, c'est allé très vite. Bon, ma vie aussi, c'est allé très vite, mais... 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Attention. J'ai pas vu, mais c'est arrivé. Oh, par contre, ouais. Oh, le double DPS, là, il a fait plaisir. Hein. Allez, ça dégage. Oh, ce qu'on lui met, c'est illégal, hein. C'est très con aussi. Très con d'avoir tout pris en frontal. On est là pour l'efficacité, hein. Hop. Voilà. Même pas eu le temps de ce que les sbires viennent faire chier, c'était parfait. Pris quelques dégâts, mais c'est acceptable. Superbe. Ah, il y a le pognon là. C'est de grâce, merci. La grande question c'est est-ce que je prends tout de suite le trinket de la fontaine? En fait, ça, je pourrais prendre le flacon aromatique, mais il faudrait que je l'utilise pas tout de suite. Il faudrait que je prenne la fontaine et qu'ensuite je le prenne, parce que là, il va level up, et quand il va level up, ça voudra dire que ça transformera un bienfait quelconque en bienfait héroïque. Ce qui n'est pas mal. Ça peut être l'embryon transcendant, en vrai. Pour avoir un boon de chaos en plus. Pour l'instant, on s'intéresse pas trop au truc qui buff les divinités, mais bon. Il y a le pognon ici, mais en vrai, niveau pognon, maintenant, on commence avec beaucoup de pognon, on en génère assez. On peut avoir plus de 30 vies max. Est-ce que j'ai du bienfait quelconque? J'en ai quelques-uns. Je vais prendre l'embryon transcendant. Bienfait quelconque, j'ai quoi? Non, c'est pas ça, c'est pas un bienfait. Fidèle bouclier, je sais pas s'il peut up. Mais ça serait huge s'il peut. Comme ça donne plus d'armure. Ça, non. Pas sûr. Parce qu'il y a des trucs, voilà, le problème c'est qu'il y a des trucs qui sont en quelconque, mais c'est pas dit qu'ils peuvent avoir une qualité supérieure. Il y a des choses qui sont loquées en vrai. Vas-y, fontaine. Je vais quand même prendre ça. En vrai, il me manque combien de vie? 22. Vas-y. Good. Combien de salles? Encore 3 salles à souffrir avant d'avoir ma régène mana. Time to dry off. Fine. Oh putain. Ah oui, en plus, dans ce truc, on capte rien. Heureusement, il n'y a pas le temps qui passe pour la première salle. Ah bah, le deuxième dédale. Eh bah, nickel.
Ah bah c'est l'arbre aveux ça, génial. Pour le nectar je vais le prendre. Hein. Oh non, je me suis fait suquer. Suqueur, arrête de suquer. Ok, dédale. Les cendres, on pourra faire sans. Hein. Oh non, chiant. Oh, turbo chiant. Mais pourquoi t'envoies là? Oh là là, l'autocorrect de mort. Oh non, oh mon dieu, qu'il est chiant lui. Ah, les âmes vengeresses, c'est honneur de question. Cinq obus d'un coup là, paf, la pastèque. Bon, Arsenal Zélé, on l'avait déjà eu et j'avais dit que c'était un des trucs que je voulais parce que ça aussi c'est un banger de fou, j'ai plus jamais allé les rechercher. Mais en même temps, si j'envoie les 5, ils arrivent au même endroit quoi. Bon, je vais tenter des jus explosifs et de toute façon, pour avancer sur la prophétie. Tout de suite, des éléments de réponse. Ah, oh là, attends, ah, c'est peut-être un peu gaze. Moi je pensais qu'il allait les envoyer tout droit. Ah oui, alors du coup, je dois aller les chercher à l'autre bout du monde. On s'est fait turbo scam. Oh, on s'est fait turbo scam. Est-ce que je la veux, cette grenade? Je pense que c'est une trop mauvaise idée, mais je vais y aller comme un con. Allez, c'est parti. On s'est fait turbo scam. Mais oui, parce que le problème, c'est que je dois les récupérer. Ah ouais, non, c'est horrible. C'est horrible, hein. Hein, quoi? Attends, mais pourquoi... Je rêve ou j'en ai balancé 10? Ah oui, parce que... Ah mais oui, mais du coup, avec mon truc qui a 10% de chance de proquer une double attaque, eh ben ça influe sur les 5 directs. Donc de temps en temps, j'en balancerai 10 et puis c'est tout. Bon, ça du coup! Normalement, c'est tous les jours 1, mais est-ce qu'on value ces 3% autant que ça? Non, on va quand même être sérieux, on va prendre le 1. Bon, vite, 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 vite. On adore Apollo, et un mini-boss, c'est sûrement plus rapide. Mais je pense que Pognon Hermès, ouais. C'est glamour sur le papier, on va dire. Et ils sont où les méchants? On s'en fout de toi. Ah nickel. Oh non, pas la boule magique. Ça a brisé mon armure direct, et bah nickel. Ah mais c'est vrai, ah non j'ai pas Aphrodite. C'est vrai que mettre au corps à corps, ça, c'est glamour hein. Hermès, pognon, 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 il y a du pognon partout, bah super. C'est ridicule. Hop. Et voilà, le problème c'est qu'elle récupère pas forcément. Alors oui, c'est puissant. Non, c'est vraiment gaz. C'est turbo gaz. Je pense qu'au bout d'un moment, faut dire les termes. Los Thermos. Ah, chaos, c'est enfin fini. J'ai ma régène de mana. Vos actions Oméga sont plus rapides, vos deux glyphes Oméga consomment moins de mana. Votre rue est 15% plus rapide et vous permet de bloquer un certain nombre d'attaques animées pendant des exécutions. Ça c'est un des trucs qui va pouvoir devenir héroïque éventuellement vu que c'est quelconque. Donc faut pas se formaliser sur le fait que ce soit quelconque. Alors ça c'est fort mais c'est par combat hein. C'est pas... Donc du coup, alors évidemment, s'il passe en héroïque, c'est peut-être 4-5. Hein, et là, ça commence à tchatcher, mais...
Alors oui, les glyphes qui consomment moins de mana, c'est vraiment très cool. J'ai la régène de mana maintenant, mais elle est faible, c'est 5 par seconde. Ensuite, les 15% de rapide, hein. Les actions oméga plus rapides, c'est pas non plus un... Hein. Mais attends, mais du coup, mais je suis con. J'ai envie de tester un truc. Je vais juste tester un truc. Oh, c'est gaze. C'est gaze, sauf si j'attaque sur ma gueule. Ok. Je voulais voir la gueule de mon attaque oméga. Alors en vrai c'est fort mais bon faut les récupérer, c'est le problème. C'est parti où? Oh my god. Oh c'est impossible à lire ce qui se passe. Oh j'en ai plein le U qui pisse et tout. Nickel. On va pas perdre trop de temps hein. Oui. Echo, Echo. Au moins c'est un arrêt de timer. Bon ça va là, niveau temps, j'ai l'impression qu'on commence à être... commence à être confort. Oui. He had no idea what happened to you. But he remembers you. And he didn't mean to hurt you. So please don't take it personally. I think he only loves himself. Bon, je pense que comme d'habitude, je vais prendre les 50% d'esquive dégressif, hein, mais sait-on jamais. Et ben, ce n'y est pas, et j'ai pas de reroll. On va prendre le bienfait au pif, non ? Cœur léger. Chaque boon en votre possession augmente vos chances d'esquive plus 15%. Et j'en ai actuellement 5. Et ben c'est un banger. Hein. Santé, level up, pognon. Oh bah c'est... oui. Y'a pas trop de débat là. Hein. C'est les deux boons de divinité. Ah, j'ai un reroll de sale, non? Ouais mais de toute façon le Vimax et le grenade va se transformer en truc gaze. It's a gaze world. This is a gaze world. 15% c'est déjà mon total. Ah oui d'accord, bah c'est déjà très bien oui. Bonjour, Manamax, qui s'en fout, moi, mais on va y aller. Ah non mais du coup ça a dispersé partout, la pire idée du monde. Putain, je déteste mon build. Oh putain. Mais attends, mais y a pas des âmes vengeresses? Non, j'ai eu de la chance. Je suis dans la sauce. I'm in the sauce. C'est cauchemardesque. Je passe un moment exécrable. Ok. Mais attends, mais il meurt un jour. Oh, mon build est nul. Oh mon dieu. Oh, je viens littéralement de balancer mes crânes à l'autre bout du monde. Que tout le monde garde son calme. Ok. Et comment je les récupère là? Non mais c'est un sketch. Ok, merci. Mais on s'en fout de ça. Mon armure est brisée. Pourquoi je me bats contre le clos de village? D'accord. Pourquoi j'ai perdu autant de vie contre le clos de village? Merci à tous. Ok. Mais il est où là? C'est où? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi je trouve rien? Allez hop, go. The floor. Ça
c'est un cauchemar. Je crois pas, c'est pas mal. Ah ! Oh, y'en a partout, de la vengeresse, non pitié. Oh, c'est. Oh, je m'ennuie. I am bored. Allez, peut-être le bienfait d'Estia va être banger, trust. Y'a de la vengeresse, non. Ah, il est là-bas, à l'arbre. Un peu tard, mais. Attends, combien de temps? 6 minutes 37, ça va. Je panique peut-être un peu trop. Oh non, mais c'est tellement chiant d'aller récupérer mes trucs. Dites, faut pas que j'oublie qu'elle fait mal, ma technique. Voilà, je peux mettre des punchs nuls. Oh, ça, c'est encore de la régène de mana. Attends, mon attaque, elle est sur quoi? Elle est sur éclatante. Ouais, bon, bof, quoi. Oh, c'est nul. Ah, c'est conscience crépitante ou un énorme reroll, hein. La gaz naturel est cool, mais oui, moi je brûle que via... Oui, ensuite ils ont de la brûlure via quand ils sont dans le glyphe, et je glyphe à peu près tout le temps, donc... Ça peut être le 3, hein, sans être une dinguerie. Ils auront de l'armure partout, et je vous parie que c'est celui-là qui va passer héroïque et je vais être vénère. Trust. Oh, le cauchemar. Alors, bon courage. Bon courage pour retrouver mes merdes. Je vois rien. Et vous? Oh putain, il y a une vengeresse là. Je vois rien, c'est cauchemardesque. Oh, je vais jamais retrouver mes machins. Non, les âmes vengeresses, je me suis fait suquer! Oh, ta mère! Ok. Oh putain. Il est où, Mister Suc? Je passe un moment exécrable. J'ai que 93 de vie, je perds tellement de vie dans ces combats. Oh. Quoi? 30% des dégâts que je prends, je les récupère en soins. Oh, ça c'est banger aussi. Parce que j'ai déjà pas mal d'esquives et en plus ça fait qu'ils ont 20% de chance d'infliger aucun dégât. Oh, les deux sont très bien, hein. Allez, va pour grand remède. Ah, j'ai jamais trouvé l'arbre. Du mana, c'est pathétique. Magasin, 680 balles, why not? Good evening, boatman. Oh putain, ouais. C'est vrai que les prix ont augmenté. Y'a pas de soins! Ordure! Bon, ensuite, y'a de l'armure, et puis on va peut-être trouver le sort de soins. Ça serait pas mal, hein. 210 Zeus. Oh putain, qu'est-ce que je peux avoir de bien chez Zeus? Mystère et boule de gomme. In the name of Hades. Oh, c'est nul. Oh. Enfin non, attendez. C'est juste, je vois que c'est en qualité basse, donc je cite que c'est nul, mais c'est pas forcément nul. Ça, c'était banger, mais maintenant j'ai de la régène de mana, pas besoin. Oui. Ah bah c'est génial, oui. Pourquoi pas, on cumule foudre et... Enfin, glyph c'est très bien. Lightning from on high. I bid you shine for me again tonight. Allez, Céline. Charon is familiar with every twisted pathway through this world. Yet I provide. Un petit soin. Now. Putain, deux fois de suite, pas de soin. Instant paisible, reste cool pour crowd control. Mmh.
Alors du coup mon... Ah c'est ça hein. Donc là la prochaine fois que j'utilise une fontaine, je vais avoir un truc qui est passé en qualité héroïque hein, c'est pareil hein. C'est chaud hein. Parce qu'en fait oui j'ai la distance mais en fait je l'ai pas. Oh putain j'aurais été tellement mieux avec le truc qui fait que j'ai pas à aller chercher mes... Merde. Le truc qui fait que j'ai pas à aller chercher mes crânes, ça aurait été extraordinaire. Bon, j'ai eu la double attaque. Eh. Là, je passe un moment exécrable. La petite esquive. Et voilà, et là, je fais quoi? Bah là, je m'emmerde. Spoilers. Par contre, on met des vrais dégâts. Hein. Vas-y, slow down. Paf. Life Omega. Attaque Omega. Vous venez me faire chier ou qui vous a demandé quoi que ce soit? Ok, fast. Ah. C'est cauchemardesque. Ah. Récupère ton bordel. Ouais, c'est quand même fort. Le slow, il m'a mis trop bien. Hein. Le sort, c'était le sort parfait. Hein. Et le spam au cac est... est meurtrier en termes de DPS. You're free again for now. Ah, et un petit truc. Wheat seeds. Finally out of here. Made it back here. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors je vous ai dit que c'était le truc guess qui allait passer héroïque. Ready? Clean. Lance fulminante. La portée de vos glyphes est augmentée. Ceci foudroie les ennemis dans leur zone d'effet lorsqu'ils sont posés. Qu'est-ce que j'avais dit? Bien ce que j'avais dit, quoi. Hop! Bon, bah on termine avec la dent porte-miracle, non? On est quand même en chaleur 8, on va pas jouer les sur-Kekko, ça peut très mal se passer. Ensuite, il y a les osselets. Osselets, c'est fine. Mais bon, c'est pas un refus de la mort non plus, quoi. Et puis maintenant, c'est 101 de vie, hein, quand même, le dent porte-miracle. Pas dégueulasse. Il y a aussi la broche. C'est pas dingue. Un dédale. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et 10 combats. Oui, ça me permettrait d'avoir un troisième marteau de dédale contre Chronos, mais à ce moment-là, il faut pas farmer. Mais moi, j'ai envie de farmer.
Embryon transcendant est cool parce que ça me fait un boon en plus, mais c'était utilisé avant. Bon, ça va sûrement se diriger vers la dent. Ah, ça me fait chier de pas XP un truc, mais bon. Ouais, vas-y, c'est quand même chaleur 8, j'ai envie de la valider. On va prendre le refus de la mort à 100 balles. Un petit banger là ou pas hein? C'est cher. Surtout que le dernier shop, il va être à plus 40%, donc... je serais d'avis de farmer un maximum. Farm avec 3 minutes, ils vont me remettre... Ah oui, mais oui. Non, ils vont me remettre 9 minutes, mais c'est vrai qu'il faut quand même que j'aille vite, quoi. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail qu'on était sous contrainte de temps. Oui, alors peut-être pas. Ah, parce que oui, le problème, c'est que si j'ai plus de temps contre Chronos, bon bah, ça va être très frustrant. Hein. Bon, go. Oh, le pognon, ouais. Merci. It worked. We have not seen you in a little while, my traitors. Wow, on va se calmer tout de suite. Oh putain! Ah oui, en plus, faut que je fasse gaffe aux éventuels esprits vengeurs. Oh le cauchemar. Ma vie est un cauchemar. Oh oui, je suis. Non, mais je me prends les pièges en boucle à cause de ces connards! Voilà la vérité! Mais il y en a tellement, pourquoi il y en a tellement? Pourquoi ma vie est tellement nulle? Je vois rien. Oh, c'est là, rien que la première salle, elle me donne envie de mourir. De moumou, juste envie de moumou. Glyph, merci. Oui, mais va dans les pièges en boucle. Dukoman, on l'appelle Dukoman dans le milieu. Oh, c'est un gangbang. J'ai passé un moment exécrable. C'est bon? Oh, le couche. Putain, j'ai eu mon slowdown, j'ai oublié. Ah oh, bah oui. Oh, papa, ouais. It's me. The once feared underworld resembles now the wretched and damned that here was shackled in his stead, until the scheming Titan Chronos cut them loose. Ouais, le timer, il me fait très très peur. Mais merde. Pardon. Je viens de le glyffer. Il est pas content. Pas fait exprès, paps. The surface swarms with the dead, and the armies of Chronos are besieging the mountain. Our family is holding them back. Whoops. I've been trying to break the stalemate in their favor, but all in all, it's not a pretty sight up there right now. Not a pretty sight up there? You mean to say you've seen all this firsthand? How? C'est vrai que la surface, on y allait, on a first try ici. Right. Would you believe I learned a means by which I could withstand the surface climate for a while? Long enough to make a difference up there. Impossible. Yet seemingly all these impossibilities continue to occur. En plus, le combat contre Chronos, il va pas être super drôle parce que là, je sais pas, je pourrai lui mettre la max de DPS quand il va me faire son sort qui one shot. Là, je serai à distance, je vais balancer mes crânes et ensuite je serai en PLS pour aller les récupérer vu qu'ils auront spread partout. Bon, dissidence chronique, c'est très confortable. Ça va sûrement être ça. Le moins de merdier on aura à gérer, le mieux on se portera. Hold on, father. Putain, je me suis déjà perdu tellement de vie. Ouais, faut vraiment que je. Faut pas que j'hésite de fou. Mais arrête d'aller dans les pièges, je suis le roi des cons, c'est quand même très grave, non? Non, les âmes, bon, je reste là, oui, merci. Non,
c'est... Bon, c'est qu'il y a des vermines, ça va, mais c'est quand même chiant. Ok, c'est chiant. Oh, le coche. Oh oui, oui, bah oui, je réapparais dessus. Non, mais c'est divin, je me régale, je me régale. Oh, putain, arrête d'aller dans les pièges, t'en conjure. Oh putain! Peut-être pas sérieux, hein. Ouais, hein. Du coup le marteau de Dédale avait du sens. Peut-être pas sérieux d'aller prendre le boss. Quoique, attends, c'est qui les boss dans... à Tartare ? En fait, je sais plus si les boss vont vite. C'est parce que si c'est une séquence d'ennemis d'élite, c'est cauchemardesque. Si c'est... Ah mais oui, non, mais je sais ce que ça va être. Ça va être le méga pot, ça va être le pot laser possédé, accompagné de tous ses potes, là. Cauchemardesque. Pas le sac là. Faut avancer. Le temps il passe pendant le pognon. Non, ça va pas être un an. Tant pis, hein, on n'aura pas un coffre de fou. Moi j'avance. Enfin, un shop de fou, c'est bien. Quand tu veux. Merde, merde. Oh putain, j'avais la double attaque en plus, mais je m'attendais pas à le tartiner. Ok, il y a du pognon partout, ça fait plaisir. Comment on fait pour que ça soit pas à chier? C'est gaz. Prends, prends. Il y a hors de question qu'il respawn. Quand j'utilise mon sort, j'ai quand même le temps qui passe pareil. Et ben vous êtes bien des ordures. Vraiment ? Putain, mais j'étais tellement convaincu qu'il allait crever que je... Oh merde ! Je suis vraiment le roi des sbires. Tu l'as ou pas? Oh oui, va sur le piège. Oh, je viens de perdre de la vie, mais à l'infini, de manière absolument stupidos. Hop là.
Mets tout sur Watch, je t'en supplie. Fais quelque chose de ta vie. Redonne du sens à ta vie. En y mettant de la poésie. Ok. Non. Encore, vraiment? Cauchemardesque. J'ai pris ça, bordel. Okay. No traitor. Triple pognon avant le magasin. 5 minutes 49, mais c'est la merde, au secours! Je peux rien acheter. C'est un banger. Bah, je vais acheter le kebab. Je vais acheter le kebab et la grenade, hein. Super, hein. Let's go. Ah non, 630-126, c'est bon. Oui, et puis il faut dépenser de l'argent pour Caron. Oui, non, c'est 630-126, oui. Olympus, I accept this message. Wow. Oui, foudroyante, mais foudroyante, c'est un banger, non? Ah non, attends. En vrai, on peut s'en passer de ça, non? La foudre sur le... On s'en fout un peu. Et c'est quoi d'autre, sinon? Encore de la resto de mana. Oh, c'est clairement ça, hein. 70 de vie et de mana, c'est gigantesque. Hein. L'enclume s'est sacrifié à un de tes marteaux de dédale pour en obtenir deux aléatoires. C'était déjà dans le premier Hades, cette mécanique. 5 minutes 48 pour faire Chronos, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, un Hinge, comme on dit. Un peu peur. Ensuite, il y a deux fois moins de... d'invoque, mais on est en chaleur 8 et au bout de 5 minutes 48, je vais prendre un dégât infini. You yet persist. You know, I'm almost impressed. Not only have you ransacked my father's domain and made war on Olympus, you had the audacity to deceive primordial chaos. And that takes a spine. Why, thank you, my girl. I must admit, I thought that Chaos would be something of a bargainer, for I was willing to exchange their daughter Nyx for the three Salut. But now I have them all. You played the Chthonic gods for a pack of fools, these eldest, most powerful forces in existence. Such choices may come back to haunt. Ordure. Yes, you have come back to haunt me. 548. Oh putain. Ensuite, je peux mettre du DPS très lourd, mais ça va être très dur d'esquiver, notamment la P1 qui est plus dure, mais bon, bref. Ah bah super, ça commence très fort. Voilà, ce que je me dis par contre, c'est qu'on peut se faire plaisir au niveau du DPS si on centre tout sur lui. Je viens de prendre 12 000 points de dégâts en essayant de foutre mon attaque Oméga. J'ai envie de Canax. Je suis con, ça marche pas sur lui. Et voilà, le roi des connards. Le roi des connards, tout simplement, je pense qu'on peut le dire maintenant. Perdu pour perdu, j'essaie de burst un maximum, mais j'ai fait l'idiot. Là, pas du gain. Il essaie de me suquer. Attends, c'est peut-être le meilleur bail, ça. Oui, sauf si je vais dedans comme un connard. Ah, les bannières du cul. Je vois rien. Mais je veux pas faire ça, pitié. Ah, ça a bien marché, mine de rien, ça fait tomber les barrières directes.
C'est quoi ça? Oui, ok. One, two. C'est quoi? C'est encore ça, on s'en fout. Triple dash. Ok. Alors on a un petit problème, voilà. Faudra que je récupère mes merdes si ça dérange personne. Hein. Ok, c'est fine. Maintenant. Oui, c'est bon. Ah, l'esquive, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai vu du 10 000 là. Non, c'était juste ça, c'était superposé. Ok, c'est très chiant. Ok, ça c'est parfait. Oh, j'ai eu la double. Oh, l'esquive, ça fait plaisir, ça régale. Ça régale moi. Je vais vraiment comme un gros dégueulasse. Dégage. Peut-être pas nécessaire. Ok. Oh putain, je me suis gouré, je voulais faire carré. 3 minutes. Et je suis dans la merde. Hein. Faut que j'arrête mon sort, hein. On est bien d'accord que ça ne marche pas. L'arrêt du temps, toutes les mécaniques d'arrêt du temps, ça ne fonctionne pas contre Chronos VQ. Ok, c'est très chiant. Un peu de beurre. Ok, très chiant, je vois rien. Ah oui, j'ai foncé dedans comme un idiot, hein. Idiot du village. Combien de temps là? 1 minute 58. Ok. Il va falloir un peu s'activer quand même. Okay, c'est très chiant. Osé. Oui, très osé. Ah, je pensais que j'étais mieux que ça au niveau DPS. C'est vrai que je force là pour lui mettre la max. Pourquoi il l'a envoyé là-bas? Mais c'est vraiment le roi des cons, c'est très très grave. J'ai encore rien. Ah mais j'ai plus rien. Ah si j'ai mon faux refus de la mort, hein. Incoming. Ok, ça va. Non, c'est bien. On l'a fait en chaleur 8. Ce petit con. Avec la P2, hein, on peut brute force, ce qui est plus difficile à faire sur la P1. Bon, ouais, franchement, la séparation. La séparation des crânes, là, c'était galère. Hein. Très efficace au corps à corps, mais moi, je pensais que ça allait le balancer en ligne droite, ce qui aurait été un banger de fou, bien sûr. Mais le mieux, ça aurait été de perdre un crâne sur les 5 et d'avoir 4 crânes. Ça aurait été une folie. A gift. Such power. Bravo! So numerous are the travails of Dread Millennium that one can scarce begin to fathom them. But on some evening, fathom them we shall. You! Non. Pas de nouvelles.
post-scène de lore. C'est un moment qu'on n'a pas eu. Bravo! Bon, la VOD fait 2 heures, mais finalement, on a eu 3 runs entre le run sketch du défi de chaos trop facile et le premier resté infructueux en speedrun Shader 8, vu que fallait reprendre les automatismes de mettre pause tout le temps et d'être tout le temps sous pression. Mais c'est pas mal. Not gonna lie, Mel. Sometimes I wish I had a big important task. Not that floating isn't one. You know my stance on this, Dora. You need to get out of this tent. Mm-hmm. You're very talented. I've never met a shade that speaks like you. Ooh, I can talk. Makes me so special. I'm sure any lowly shade could do it after being stuck here listening to you people long enough. I'm glad you did. Bravo! Come along then. Where's Lord? Ah, j'ai validé la prophétie des. Voilà. Des puits de Caron. Tout ça pour 60 psychés, putain. Alright, bon, on verra la suite plus tard. Ah oui. Merci pour les détritus. Alors ça. Hail Shades. Eris, you said before. Et voilà quoi. Didn't mean your family, that's for sure. Come on, look at yourself. You've never lived a day in your life. Oui, la porte à côté d'elle, c'est parce qu'il y avait une histoire de non, l'accès à la taverne, c'est ce qu'on a en bas là avec les PNJ. Bibliothécaire et compagnie que j'ai. What should I be out feast? Maybe, but you just want everything nice and. That's not true. You sure? Denied. Pour l'instant, ça on ne saura pas. Ok. Bon, la suite au prochain épisode, hein, bien sûr. Un banger. Ah oui, attends, j'ai juste changé de transit d'écran. Récupérer mes trucs et changer d'écran pour que ça soit fait. Et c'est vrai que pour récupérer du bronze, faudrait que je refasse un run surface. Mais du coup, comme je l'avais dit, peut-être enlever mes rerolls parce que ça prend énormément de ressources. Au lieu d'avoir des buffs divers et variés. Oh putain, j'ai fermé tellement de graines. Into the earth you go. Fait plaisir. Oh, what have we there? J'aurais pu. Peut-être dû remettre encore plus de belladone, c'est toujours la galère. What now? Bengulu. Halfway to night's gift. Alrighty. My altar. Encore un point, ça fait plaisir. Alrighty, des bisous YouTube. Bonne VOD, bien fatounette.